Bonjour à toutes et à tous, mes minous et mes minettes. Et bienvenue à vous sur un nouvel épisode de Only in the Blind Forest, édition définitive. Définitive édition. Je vous retrouve donc pour la suite. Dans l'épisode d'avant, nous avions. Enfin, j'avais voulu avancer, mais au final, on est allé dans tous les sens et on a pris des upgrades à droite à gauche. J'ai continué à le faire en off, même s'il y a des endroits où j'ai pas pu aller. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des points sur la carte où il y a encore des upgrades, mais bizarrement, je ne pouvais pas passer. Sinon, là, du coup, j'ai découvert la zone, enfin, dans laquelle nous devons continuer. C'est cette fameuse zone, vous vous souvenez, celle où il faisait trop sombre et j'osais pas trop avancer. Eh bien, on va devoir s'y attarder, parce que bon, pour le moment, je vois pas d'autres... moyen de continuer. Donc, on va y aller. En sachant que j'ai débloqué... Attendez une seconde. En sachant que j'ai débloqué, comme vous pouvez le voir, le troisième saut en l'air. Réduit les dégâts infligés par l'ennemi. Il nous manquera pas... juste 3 niveaux pour avoir le... J'oublie que j'ai un troisième saut, excusez-moi. Il manquera juste 3 niveaux supplémentaires pour... du coup, avoir cette compétence. Ah, ici c'est fermé, autant pour moi. J'imagine que ici c'est pareil. On va devoir donc descendre un peu plus bas. Ça m'a tout l'air d'être une zone assez dangereuse. Non, non, on va se faire tuer. Bon, malheureusement, c'était pas... la bonne zone. Donc on va devoir se tuer tout simplement. Et on va aller dans l'autre endroit où j'ai voulu visiter. Mais je suis revenu en arrière pour pas trop faire tout en off en fait. Quand même vous montrer le reste en vidéo. Donc ici il y a des pics si je me souviens bien. Bon, heureusement il n'inflige qu'un point de dégâts. Ce qui est plutôt bizarre hein, parce qu'on est censé être dans une zone... qui est la suite normalement, hein, si je dis pas de conneries. La lumière de l'arbre aux esprits, c'était notre cadeau. Elle fut offerte à Naru qui resta à nos côtés. D'accord, alors maintenant c'est un truc qui nous permettra d'avoir non seulement de la lumière mais aussi faire disparaître les portes et faire apparaître des plateformes. Ok. Heureusement que les ennemis ici sont pas très très résistants. Ok. Allez, poum, de l'expérience. J'imagine qu'il va falloir retourner en arrière. Alors, ici, maintenant, on peut sauvegarder. On peut aller de ce côté. Ah oui, maintenant, je vois. Un saut est égal à la mort. J'ai compris. Alors, faisons pas n'importe quoi. Voilà.
Ça va, on a le temps de monter. Ah, ça va de plus en plus vite. On sauvegarde ici, bien évidemment. Je vois. Maintenant, on va ici. Puis on monte. Ah, et donc du coup ça ouvre. D'accord. C'est ça qui est censé ouvrir les portes en fait. Je comprends mieux. Et ici on peut rien faire, faut monter, faut juste monter. Ces plateformes ont l'air. Enfin, ces plateformes ont l'air plutôt. Enfin, ont une sorte de gravité assez spéciale. Par contre, on va faire comment pour. Ah, d'accord. D'accord, il va falloir faire attention. Ah non, oui, d'accord. Ouais. Ouais, mais ça veut dire que... Attendez, je pense que il y a quelque chose à faire ici. Oh l'enfoiré! L'enfoiré. À cause de lui, je dois recommencer. Alors, ne faisons pas n'importe quoi. Il m'a surpris, cet enflure. Ouais, ouvre-toi. Maintenant, une petite sauvegarde s'impose. Enfin, s'impose. On va essayer de faire gaffe ce coup-ci. Il est juste là, là. Wait! Wait, 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 comment je fais pour passer là en fait? Non, je suis obligé de monter. Il y a un truc à faire, il y a un truc à faire. Peut-être poser. Poser l'objet. Ah, je crois avoir compris, attendez. Non! Saleté de plateforme. Comment on pose déjà? Ah, voilà, comme ça. Je vois, je vois, je vois. Merde! Ah, 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 c'est plutôt marrant ça. Bah du coup, il y a des choses pour suicider à côté. Hein. Parce qu'il faut avoir la lumière spéciale de Naru pour pouvoir emprunter ces plateformes spéciales. Me demandez pas pourquoi. C'est des plateformes, c'est des âmes de plateformes en fait. C'est des plateformes révélées que si tu as la lumière qui va avec. C'était juste. Ah, on saute beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, hein. C'est ça qui m'a surpris en fait. Quand on n'a pas la balle avec nous. Wait!
Mais je n'ai plus la boule. Il se passe quoi là? Ok, alors. Je pense que la lumière sera restaurée. Je pense. Voilà. Oui, Ori, regarde. Bien que la lueur de notre lumière ait affaibli, elle est tout de même parvenue à dissiper les ténèbres qui avaient engourdi cet endroit. Bon bah c'est bien. Maintenant, on va pouvoir visiter cette zone un peu plus. J'ai plus accès à la carte. Eki cherchait Naru, mais à son arrivée, elle était déjà partie. Il était rapide comme le vent et courait en toute hâte. Mais entouré par les ténèbres, il a fini par se perdre. Ah là, maintenant on a accès à la carte. Tu as appris sprinter. Pour utiliser cette compétence, appuie sur RB afin de sprinter droit devant toi. Ouais? Ah oui, d'accord. What? Ah oui. Effectivement, ça va servir. Ça va vraiment servir. Le sprint là, il est plutôt classe, j'avoue. Donc une petite sauvegarde. Voilà. On descend un peu plus. Ouais, par contre, le sprint, ça va permettre au jeu d'être un peu plus dur dans ses phases de plateforme. Parce que qui dit sprinter dit ça va être chaud. Enfin, je le vois comme ça, perso, après. Alors ici. Ah, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Le bosquet perdu. Ah, effectivement, on va devoir l'utiliser à bon escient. Alors ici, on peut sprinter directement dans les airs, hein. C'est vraiment cool ça. Ah, le sprint, ça consomme du... Ah, lol! Je ne savais pas. Ben voilà, maintenant je le sais. Je suis idiot. Ok. Alors il y a un truc plus bas. Est-ce que je sauvegarde ici? Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, je peux pas m'accrocher ici. Allez, un peu plus d'énergie. Ça, il va falloir l'activer du coup.
Ah là, ma vie, elle est descendue plutôt vite, hein. Je dois bien avouer que là, une petite sauvegarde, ça irait bien. Attends. D'accord. Ouais, donc ici, y a un bonus bizarre, mais je sais pas trop comment faire. Il y a un truc à poser. Est-ce que les ennemis peuvent... Vous pensez que les ennemis peuvent marcher dessus? D'accord, je suis mort. Je suis mort et je réatterris ici. Ça va que tout droit. D'accord, comme ça on est fixé. Ok, on va peut-être devoir se calmer. Par là, ça mène où? Ah merde, il y a le bout du plafond qui m'a gêné. Ok. What? Eh, ça devient chaud à côté, hein. Ça devient chaud patate, hein, comme endroit. Ça devient vraiment chaud. C'est pas un endroit sous-estimé ici. Il se passe quoi du coup là? Hein? Qu'est-ce que... Et l'innocence enfanta la lumière et les ténèbres. Et même sans flamme pour l'éclairer. Naquit une belle amitié. Mais le lien qui se noua. Ok. Ne perdurerait guère ici-bas. Oh. Vous pensez que c'était une population qui vivait pas très très bien en harmonie? On va descendre un peu en bas, voir ce qu'on peut avoir de spécial. Oh, regardez! Un arbre au pouvoir, encore. Sol avait projeté notre lumière et pouvait voir même dans l'obscurité. Elle vivait dans les profondeurs de ce bosquet et y repose aujourd'hui en paix. Et là, c'est les... Là, c'est la fête au pouvoir, hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Tu as obtenu éclat de lumière. Pour utiliser cette compétence, appuie longuement sur LB afin de projeter un éclat de lumière. D'accord, et ça sert à quoi? Ah, je pense... Attendez, je crois savoir à quoi ça sert. D'accord, je vois maintenant à quoi ça sert. Il
fait, maintenant, ici, c'est, ça va être comme des interrupteurs. Ouais, d'accord. Va falloir bien viser. Ok, et en plus ça rebondit contre les murs. Lobe explosif, ouais voilà. C'est à peu près ça. D'accord. Ah et ça a désactivé carrément le piège. Ah oui. Dégage le piaf. Ok, alors ici. Mauvaise idée. Il y a un truc à faire alors. Ah et en plus ça use de des cristaux. D'accord, il va falloir bien s'en servir alors. Voilà, et ça a fait quoi du coup? De le tuer? Ça m'a permis de quoi? Rien du tout! J'ai perdu mon temps avec lui pour rien. Ah d'accord, ceux-là sont plutôt dangereux. Ah, on a presque un niveau là. Donc du coup, on va devoir retourner en arrière, je présume. Ah oui, c'est vrai, il y a monsieur Crash des lasers à côté. Je pensais pouvoir monter, mais non. Oh, punaise. Voilà, ça c'est fait. On va descendre maintenant. Je pense qu'on est déjà descendu tout à l'heure. Mais je sais plus trop ce qu'il y avait. Ah, ils font mal! Ils font mal! Ça, c'est fait. On va retenter encore une fois. Alors. Ok, ça va. On n'est pas passé de ce côté. Ok, très bien. Ah, un point de compétence. On est bientôt à deux. Bon, ça valait le coup de passer par ici. On re-sauvegarde.
Et ce coup-ci. Ah bah oui, voilà. What? Il one-shot ses piques? Ah oui, carrément, il one-shot. Je peux réussir. Voilà. On a réussi. On a 3 cellules de compétences maintenant. Par contre, pour revenir, ça va être coton. Vu que j'ai détruit l'ennemi. Ouais. Il y a quand même un petit problème. L'ennemi risque de réapparaître normalement. Je dis bien normalement. Allez, reviens. On a besoin de toi pour passer. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Je sais pas si c'est une grossière erreur que je viens de faire, mais... Normalement, il est censé respawn. Oh, se lancer. Bah on prie, hein? On prie pour que l'autre réapparaisse, parce que sinon bah je suis coincé. Non, il faut un peu de temps avant que les ennemis réapparaissent normalement. Je pourrais attendre off, mais voilà. Quelque chose me dit que j'ai fait une bêtise. Il est toujours pas réapparu? Oh là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ah mais attendez, on n'a même pas besoin de lui en fait. Je pense pas qu'on ait besoin de lui là. Ah ouais, mais c'est chaud. Ouais, non. Ouais, non, je pense que là pour revenir. Non, à mon avis, il y a un truc. On peut pas être bloqué ici. Je sais pas, il y a un truc à faire, un interrupteur à casser. Enfin, je veux dire, un interrupteur à actionner. Non, parce qu'il apparaît pas l'autre. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi ça en haut? Non, il y a rien en haut. C'est dingue! Non, je peux pas. Je ne peux pas. Attendez. Ouais. Augmente encore davantage. Non, mais. Oh là 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 là. Il faut que j'ouvre ce truc. Comment je peux faire pour l'ouvrir? Il se fait même pas toucher l'autre.
Non mais sérieux? Bon, ellipse. D'accord, en fait, il fallait détruire les ennemis qui restaient. Et donc j'ai pu le tuer à travers le mur en faisant une attaque comme ceci. Voilà, donc on est enfin libre. J'ai eu peur à l'espace d'un instant, je dois vous avouer. Ah, attendez. On va se servir du gros là. Il se passe quoi là? Venez par ici, mes cocos. Pourquoi le gros il s'est scindé en plusieurs? Bah venez! Et venez, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous fais peur? Esquive meurtrière, lol. Pourquoi ils viennent pas? Est-ce qu'ils peuvent marcher sur le truc au moins? Ah, attendez, je crois savoir pourquoi. Ah, j'ai le temps, hein. Vous pensez que j'ai le temps? Non, j'aurais pas le temps. Comment je fais? Expliquez-moi, car là, c'est un peu tiré par les cheveux. Ils sont pas assez lourds. Ils sont pas assez lourds du tout. Il a tué son copain MDR. Ah! Je reviens ici. En fait, regardez, il fallait que je fasse ça. Alors regardez, il faut qu'il avance. Et moi, je le tue ainsi. Et la porte elle s'ouvre. Voilà. Il fallait le savoir ça. Ah, il m'a fait mal ce méchant. Par ici on est déjà allé. Donc ça sert à rien d'y retourner. On monte. Alors par contre ici, je vois pas trop comment je vais y aller. Bon, c'est pas grave. Mais il n'y a pas de passage secret en plus. À mon avis, il y a encore un pouvoir que je dois récupérer. Que ça m'étonnerait pas. Allez hop, dégage. Ah, ce côté-là, j'y suis pas allé par contre. Allons-y, Alonso. Oui, c'est vrai, il y avait une porte qui bloquait. Il faut juste que je débloque l'accès en touchant une sorte de dispositif. Alors. Ah oui, d'accord. On va avoir un temps imparti. Oh, voilà, c'est faisable. Par contre, est-ce que c'était une bonne idée de sauvegarder juste derrière? Eh bien, je ne sais pas.
En tout cas, on va se donner à cœur joie et se donner une protection contre les dégâts des ennemis. Maître des âmes. Oula, en fait, c'est la suite. Je sais pas si j'aurais pu esquiver ce rocher, en fait. Alors, on va faire en sorte... Ah bah c'est bon. C'est fini. Ah merde! Non, attendez. On va recommencer. Il y a une récompense à la clé. Il y a une récompense à la clé. Ça sert à rien de l'esquiver. Bah même pas. Je suis déçu. Du coup, ça fait quoi? Ça ouvre le pont. Ok. Ah, on a la pierre carte. Ça tombe bien. Le rocher a disparu. Allez savoir pourquoi. Allez, une cellule de vitalité. Ça fait plaisir. Et on va pas sauvegarder tout de suite. On va aller juste mettre le morceau de pierre carte à côté. Ah oui, d'accord. D'accord, il y a encore des endroits inexplorés. Du coup, après avoir mis ce morceau de pierre carte, je vais vous laisser pour cet épisode. Au final, nous sommes pas plus bloqués tant que ça. J'ai eu peur à un certain moment, je dois vous avouer. Donc, cet épisode maintenant terminé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à pousser et à partager la vidéo autour de vous. Quant à moi, évidemment, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, mes minous. Meow.